Salut à tous, c'est Ardevoli, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Super Mario Maker 2 où je teste vos niveaux. Le premier épisode vous avait pas mal plu et en plus vous êtes nombreux à me demander du Mario Maker. Donc du coup je vous en refais parce que bah, moi aussi j'ai envie de vous refaire des vidéos sur Mario Maker. Et vous m'envoyez une petite dizaine de niveaux donc je pourrais pas tout faire aujourd'hui je pense. Mais continuez à m'envoyer des niveaux parce que j'en aurai toujours besoin. Il y a un moment où j'en aurais pu et je pourrais plus vous faire de vidéo. Vous allez me demander c'est où le Mario Maker et je vais vous répondre bah je peux pas en faire, j'ai plus de niveaux. Donc du coup envoyez, continuez. Le lien du Google Doc est dans la description. Il y est toujours. Donc il sera même en premier commentaire. Et aussi petite chose que je dois vous dire. Il y a certaines personnes qui m'ont envoyé leur niveau par commentaire. C'est pas dérangeant, je les ferai. Mais si vous voulez avoir plus de chances de passer, envoyez-les moi sur le Google Doc. Parce que je vais pas forcément regarder dans les commentaires. Je vais peut-être oublier. Donc envoyez-moi sur le Google Doc. Comment vous êtes sûr que vous passerez dans la vidéo. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on va pouvoir commencer avec le premier niveau. Donc je vous reprends dès que j'ai marqué ça. Le code me disait quelque chose, mais donc du coup, comme je l'avais dit, on va faire le niveau entre... Enfin, comme je l'avais dit dans le dernier épisode, j'ai pas pu finir entre ciel et terre de Octolink, donc on va le terminer maintenant. Donc du coup, voilà, merci de me l'avoir renvoyé comme je t'avais demandé. Donc je supprime ce lien, donc on va le terminer aujourd'hui. Cette fois, c'est la bonne. Donc il m'a dit, apparemment, il y a des moments où j'ai pas fait correctement. Je baisse le son, je pense que c'est un peu plus trop fort. Hop, on va mettre à 40. Et sinon, pour ceux qui regardent les lives sur Mario 3D World, la suite arrivera d'ici une semaine. Juste un peu de patience. Mais normalement, le dernier live arrivera. Enfin, pas le dernier, vu qu'il y aura les mondes bonus, mais un des derniers arrivera très bientôt. Ok, donc là on est bon. On va laisser s'y passer cette fois. Bon, est-ce que c'est la bonne fois? Wow! Ok, on rush. Ok. Là, il y a un Bowser Junior avec une clé. Très bien. What? Bon bah c'était ça passe quoi j'ai envie de dire. Du coup on revient au tout début et on a une clé. Et on va pouvoir récupérer la troisième pièce de 30. Maintenant on va éviter de mourir. On laisse passer la bombe. Qu'est-ce que je fais? Non, en fait, c'est bon ce que je fais. Je pense. Non, je pense pas, en fait. Il va falloir passer au-dessus. Mais du coup, ok, on fait le tour. On refait. Non, mauvaise idée. Je crois que je me suis bloqué. Je suis pas sûr, mais je crois que je me suis bloqué. D6, c'est impossible, j'arriverai pas à le refaire une deuxième fois. Faut obligatoirement que je me reprenne, que je me prenne un dégât. Ouais, le feu. Ok, en fait, je me suis fail parce qu'il faudrait que je garde mon champignon pour essayer de. Je vais dire, on va pas prendre le champignon en fait, on est obligé.
Quoique. Ouais. Donc on va le terminer assez rapidement. Vous avez compris, de toute façon je vous aviez déjà vu dans le premier épisode, si vous l'avez pas vu d'ailleurs allez le voir. Mais vous avez normalement vous devez savoir ce qu'il me reste à faire. Il me reste pas grand chose en gros. Donc je vous reprends dès que je suis arrivé à la porte de fin. Bon, Octonic, ton niveau, j'y arrive pas. Je le finirai en dehors de la vidéo, mais je vais quand même montrer aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui n'auraient pas compris. Génial, ça commence bien. Donc, en gros, il faut... Comment on remonte? Il y a moyen de remonter ou pas? Bon, en gros, de l'autre côté du mur, là, il y a la porte qui mène à la fin. Et en gros, là où je suis mort tout à l'heure, j'ai mal joué, c'est tout. Donc, je vais pas perdre plus de temps sur le niveau d'Octolink. Voilà, regardez. C'est ici. Ici, il y a la porte. Et là, c'est pour la fin. Voilà. Donc, on va dire que je vais terminer, voilà. Voilà. Et je le terminerai de mon côté, mais je vais le terminer, t'inquiète pas. Donc on se retrouve pour... Enfin, je vous reprends dans un autre niveau. Donc on a le niveau Go Brother Go Frérot de Mamoxis. Mamoxi, je ne sais pas si je le prononce bien ou pas. Donc désolé d'avance. Et on va le faire le niveau. De ce que je vois, c'est un combat. Et c'est dans 3D World, donc moi ça me va. J'aime bien 3D World. What? Un gros en parachute. Non. Non, j'étais à 2 cm de la cloche. Ok, très bien. Il a pas fini la descente. Ah, je suis pas le seul à être mort ici. Je veux juste vérifier un truc. Oui, il n'y a rien. Non, la voiture! Ok. Ok, il faut tuer Poum Poum. Non, Poum Poum! Mince, elle est où la vraie? Je sais pas où elle était, mais... Ok, très bien. Très bien, excellent. Plus que un coup. Je savais qu'elle serait là. Comment je vais faire? Ok, c'est bon. Thème souterrain. Oh mon dieu, il y a des bouts. Ok, bon bah rip la sorcière. Enfin la Kamek, la sorcière. Moi je passe au-dessus. Très bien. Ok, vite.
Non. Non, je suis mort d'une façon tellement nulle. Pas maintenant la clochette, pas maintenant. Ok, maintenant la clochette, maintenant, maintenant, maintenant. Ok. Oh. Wow. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, le double. Deux fois d'affilée où j'ai failli me faire écraser. Bon, bah au final c'est passé, c'était bien. Miaou. Terminé en premier. Bon, bah je suis le premier à avoir fini ton niveau. Je te mets un cool parce que c'était sympa. Et du coup, on va passer au niveau suivant. Je vous mets le niveau suivant maintenant. 3, 2, 1, maintenant. Donc, on se retrouve avec le niveau de Crixor Mario Coin Machine. Donc, la machine à pièces de Mario avec 77% de réussite. Donc, on va essayer de ne pas perdre beaucoup. Mais je pense que ça va être un niveau assez facile, mais surtout sympa. Ramasser des pièces, très bien. Ah. C'est trop stylé, le concept est trop bien. Et le concept est trop bien, j'approuve à 100%. Concept est beaucoup trop stylé. C'est trop bien. Non, la pièce de 10! Non, il reste une pièce là, putain. Ok. Je sais pas si ça va passer ou pas, mais. Non, 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 non! Non, j'aurais pas dû tenter! Allez! Allez, 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 allez. Lâchez-moi les pièces. Non, c'est marre. C'est trop bien trouvé, franchement, super stylé. Je vous couperai peut-être un ou deux de mes essais de ce niveau au montage. Parce que... On m'a dit que si je laisse toute la partie au bout d'un moment, ça devient ennuyant. Donc là, j'ai eu deux pièces de 10. Franchement, c'est trop stylé. Vous pouvez le dire en commentaire si vous le trouvez pareil que moi, mais le niveau est génial. C'est le meilleur que j'ai fait de ma série pour le moment. Hein. Non. Non. Oh, la pièce de 10. Non. Bon, rip. On a un peu plus déjà. Bon, on va remettre en mode comme ça. Non! C'est vraiment ultra dur ça. Allez, donne, donne, donne. Allez, allez, allez. Ça se joue vraiment à rien. Hein. Ah, 10, à 10 près, à 10 près, 10 près. Bon, allez, là maintenant je vais faire mes trails de mon côté et je vous reprends dès que j'ai fini. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Donc, franchement, encore une fois, je le redis, c'est super stylé. Et le principe est vraiment ouf. Mais vraiment. Par contre, j'ai perdu mon... Je vais me remettre... J'ai pas donné de cool, attends. Faut que je donne un cool à ce niveau. Juste jouer. Par contre, j'ai grave baissé le taux de... la chance, du coup. Enfin,
Le taux de réussite, j'ai baissé du coup. Désolé, hein, mais. Franchement, c'est très bien. Voilà, je donne le cool. Et je fais quitter. Bon, alors, je sais pas si j'ai le temps d'en faire un. Je pense que j'ai le temps d'en faire un dernier. Donc, je vous reprends dès que c'est bon. Donc, on se retrouve avec le niveau 4 éléments de Darwin. On va essayer de y arriver parce que personne ne l'a réussi avec 9 essais. Ça a l'air plutôt sympa. Donc, on va voir ça. Allons-y. Donc c'est dans Mario Bros. U déjà. Le thème. Et sinon aussi, il me reste 3 niveaux de Octo Link. Donc de Octo Link. Donc si vous voulez que je fasse un épisode spécial Octo Link parce que bah, j'ai 40 niveaux de lui, et bah vous pouvez le dire en commentaire. Et Octo Link, si tu dis oui, fais un épisode avec que mes niveaux, et bah. Ça compte pas, ton avis ne compte pas, ok? Ah oui, le feu, l'eau, et là c'est le vent du coup. C'est stylé. Bon, par contre, je sais plus j'ai où que j'ai perdu mon. Si, dans le feu, j'ai perdu mon champignon dans le feu. On va attendre que ça se fasse. Ok. Je viens vraiment de mourir comme ça. Suis mort de la pire des façons. Ok, ça c'est bon. Je me suis pris la boule de feu. Je regarde s'il n'y a pas un bloc caché. Ah! Ça va bien nous aider, ça! Bon, je passe en mode gros bourrin. Et c'était donc le sol. Et si tu regardes cette vidéo, Darwin, est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi le passage avec les tourments? Parce que du coup, c'est pas le vent. Ce serait quoi? Ce serait la pierre? Vent, peut-être la pierre. Donc si tu regardes cette vidéo, tu pourrais me le dire parce que je suis un peu perdu là-dessus. Mais du coup, voilà. Je pense qu'on est bon pour la vidéo. On a tout ce qu'il faut. J'ai fait tous les niveaux. Donc voilà mon code créateur, il est là. Mon code créateur. On est pas sur Fortnite. Mon idée de créateur, elle est là. Donc, C1QWL9KJJG. Donc, si vous voulez regarder les niveaux que j'ai fait, vous pouvez. Et d'ailleurs, je vais en sortir un bientôt, qui est la suite de Mario Ouvrier dans le désert. Je pense, je peux vous dire le nom, mais je vais faire Mario Ouvrier dans la jungle. Pour le deuxième niveau, qui aura des mécaniques un peu nouvelles. Ça sera pas un copier-coller, vous inquiétez pas. Donc, on se retrouvera dans une prochaine vidéo sur Mario Maker pour je teste vos niveaux ou sur une prochaine vidéo de cours ou dans un prochain live. Rejoignez le Discord des Évoli qui est dans la description. Vous pouvez aussi m'envoyer vos niveaux via le Google Form qui est dans la description aussi. Il y a beaucoup de trucs dans la description, dis donc. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!